Hey, salut tout le monde, ici Thomas Dano. Aujourd'hui, je suis avec mon assistant Lionel, qui est mon enfant. Dernièrement, j'ai acheté chez Sugo Mart, qui est un truc de produits japonais asiatiques. Un sac qui s'appelait le Pokémon Lucky Bag. Je vous cacherai pas, ça a coûté quand même 75$ US. Si on compte le shipping qui était un autre 30$, puis le douane qui était un autre 30$, je vous avoue que ça revient quand même cher. J'avais pas juste ça dans le shipping, fait que ça divise un peu le prix, mais disons que, bref, je gère les attentes tout de suite. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'on a fond ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, en premier, on a un gros Togepi, qui est un Pokémon, un gros toutou. Vous voyez comme ça. Un commentaire, Lionel? Non, OK. Ici, on a des biscuits en forme de Pokémon. Cool. Ici, on a une Pokéball en Lego. Voilà. Ensuite, on a, c'est quoi ça? C'est qui est drôle, vu que c'est japonais. Ah, un Kinder Surprise Pokémon. Oh, cool! On l'ouvre pas ça, on peut en avoir, par exemple. Hein? Ici, on a une figurine Pokémon qu'on va aussi découvrir. Wow! Ensuite, on a une... Mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses qu'il y en a une? Pour laver. Exactement. Hey, une petite lavette Pokémon, gang! Ça valait la peine d'acheter un truc au Japon. Ensuite, on a un jeu de cartes. Je sais pas trop. Un jeu de cartes ou des cartes Pokémon, tu vas dire. Ensuite, on a un sac réutilisable Pokémon. Sac réutilisable. On a ensuite une figurine, j'imagine. Donc, ça se mange. Dur à dire. Finalement, des petits collants random. Et un cahier de notes Pokémon. Est-ce que ça vaut la peine? Vraiment pas. Hein? Gardons une chose au clair. On l'a essayé. Ça vaut-tu la peine? Je vous avoue que non. Pour le prix, ça a coûté. C'est plein de goodies. Je savais si j'avais les choisi moi-même, ce que je n'ai pas fait, j'aurais pas choisi ça comme un jeu de cartes. On s'entend, c'est un peu ordinaire. Une petite lavette aussi, c'est un peu ordinaire. Le toutou, je suis quand même content parce que mon garçon a mis toutou. Pas Lionel, mais mon bébé. Moi aussi, j'aime le toutou, par exemple. Ouais, tu veux le toutou? Ouais. Ça vaut-tu la peine? Non. Est-ce que je le referais? Non. Est-ce que je le recommande? Non. Mais bref, maintenant, vous le savez et ne faites pas la même erreur que moi.